ses 70 ans, un concert événement qui sera d'ailleurs retransmis sur TF1 en direct et animé par Florent Pagny qui sera avec nous en duplex. Autre manifestation contre une promesse de François Hollande, les défilés contre le mariage pour tous. Le texte sera débattu en janvier à l'Assemblée. En attendant, la question divise l'opinion. Les autorités catholiques avaient appelé principalement aujourd'hui à se rassembler. Les organisateurs espéraient au moins 10 000 personnes. Ils étaient à Paris, 70 000 selon la préfecture de police. Les conséquences sont très simples. C'est qu'on va créer des enfants qui vont être des zombies. Qui vont à main de ces enfants qui vont soit chercher leur mère, soit chercher leur père et ne pas les trouver. Il serait quand même fâcheux que la France devienne une espèce de grand Las Vegas du mariage. L'État n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité. Dans la Bible, il est dit que c'est une abomination. Ça se propage en fait, c'est comme une maladie qui se propage. On appelle ça en bon français les PD. Bah, bon, je ne veux pas s'en prendre des mille. La colère de Dieu va s'abattre sur la France.